Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, je change un peu de décor, hein, je suis dans ma voiture, parce que là je pars en vide-grenier et en fait je suis dans la Creuse là. Actuellement je suis en vacances chez ma mère, avec la compagne et le petit. Donc là il est 9h. Il est 9h, les exposants se sont. Alors je pars dans la Haute-Vienne, hein, je reste pas dans la Creuse, dans la Creuse il n'y a rien. Donc dans la Haute-Vienne, environ 40 minutes, il y a un grand vide-grenier d'environ 200 exposants, donc j'espère que ça va bien rendre. Puis on verra, hein, là j'ai un petit peu de route. Donc comme j'ai dit, il est 9h, les exposants, je serai pas à l'ouverture, hein. Ils finissaient de s'installer pour 8h30 normalement. On verra bien ce qu'on va trouver, hein. Voilà, vous regardez bien la chaîne Les Yeux dans le Rétro, la tête un peu dans le gaz également, hein. Je vous laisse avec le générique. À tout à l'heure. Pas besoin de jeux vidéo. Non, on va regarder. Oui, on aimerait bien voir. Bonjour, bon alors vous allez chercher votre corps, il
Bonjour. Bonjour. Celui-ci, c'est la première console Xbox. Je viens d'en réparer une. Donc. On me l'avait offert, mais j'avais la 360. Ah oui. je l'ai aussi. C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo ? Après là, ça c'est pour. Pour PC, oui, mais. Pour PC, ouais, moi, c'est tout ce que. Moi, c'est vraiment console. Ok. Merci beaucoup. De rien. Tu peux regarder ?
Vous l'avez essayé? Non. Voilà, c'est un doigt. Vas-y, mets-tu dans la boîte. Bon, les amis, là je viens de finir ce petit vide-grenier. Enfin, ce petit vide-grenier, non, il était très grand. Mais bon, j'ai trouvé quelques petites choses assez sympathiques. Là, je vais partir sur un deuxième qui est à quelques kilomètres de là. Et puis, bah, on verra ce qu'on va trouver. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je peux me... Je peux oui, allez-y, allez-y. Pardon. Do you know the term as well? Yep. Yeah, 2 euros. Yep. En avance. The Barbie gun. You have to sell the one. How are you going to sell her for? Two. And we never get, you never get that to give that to the person before. Ouais, vous les faites combien les jeux 3DS? Le grenier est immense. Alors vous l'avez vu sur la vidéo, alors déjà excusez-moi du décor, c'est que d'habitude quand je suis chez ma mère je fais le compte rendu dans le salon, mais là il y a bébé qui dort, donc je me suis foutu dans la cuisine. Hein. C'est très rustique, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Donc vous voyez sur les premières images, alors je suis désolé, j'avais réglé la caméra un petit peu trop bas, je voulais pas filmer mes parties génitales, hein. Je voulais vraiment filmer des jeux vidéo. C'est pas du tout le terme, c'est pas du tout le sujet hein, des vidéos que je fais, hein, généralement les parties génitales, mais c'est bien les jeux vidéo. Et donc j'arrive à ce stand, à savoir que donc, comme j'explique en début de vidéo, les exposants s'installaient pour 8h30. Mais là, quand je me suis pointé, il était pas loin de 10h, hein, le temps de garer la voiture et d'y aller. Et là, je tombe sur une personne qui revendait plein de choses, et il y avait des bacs de jeux vidéo. Mais de tout, il y avait de la Xbox, de la 360, de la Xbox normale, enfin première génération, 360, PS3, il y avait de la PS2, il y avait DS, 3DS. Et je me dis, c'est impressionnant tout le choix qu'il y a et tout, pour ce temps-là, je dois être le seul à chercher ça. Donc je commence à faire mon choix et tout, je tombe sur des bons jeux, hein. On les distingue à peu près, hein. Mais vous allez voir, c'est pas trop grave, parce que je demande j'attends un petit peu que l'exposante revienne, parce qu'elle était partie assouvir un petit besoin pressant, et quand elle revient, je fais, excusez-moi, les jeux, c'est à combien? Elle me fait, c'est entre 10 et 20 euros, ou non, 15 et 20 euros, l'unité, 15-20 euros l'unité. Et du coup, là, j'ai compris pourquoi il y avait toujours ces jeux vidéo à cet endroit-là. Parce que, voilà, moi, je vais pas foutre. Et puis, elle était comme ça. Donc, sur son stand, bah, j'ai rien pris. Et c'est dommage parce qu'il y avait des bons petits jeux. Et il y avait des bons petits jeux, mais à 15-20 euros, ils étaient pas en super état, quoi. Enfin, ils n'étaient pas neufs, quoi, les jeux, faut pas déconner. 15-20 euros, si c'est pour les acheter plus cher en vide-grenier que si j'allais chez Micromania. Non, je vois pas l'intérêt. Donc je continue sur ce vide-grenier qui est assez grand, hein, ce premier vide-grenier. Et je tombe sur un gars qui vendait... alors ça, c'est par contre, je l'ai pas filmé. Sur son stand, il y avait plusieurs choses. Il y avait un lot. Je vais vous le montrer. Le lot des... Sur les Skylander Giant. Alors j'ai jamais eu de Skylander. Et la boîte, elle est complète. Et avec, il y avait donc forcément le jeu Skylander Giant, comme ça. Il est complet, comme la boîte. On voit les persos là. Hop. Le jeu est complet, avec donc le jeu et sa notice.
et la qualité elle est en super état. Voilà, et je lui demande au gars combien. Je me méfiais parce que comme je venais d'aller sur le stand de l'autre personne qui me disait les jeux entre 15 et 20 euros, c'est par acquis de conscience, hein, j'ai demandé, il me fait c'est 5 euros le lot. Ah ouais, 5 euros le lot j'ai pris, hein, forcément. Et je suis content, c'est mon premier Skylander. Alors je sais pas ce que ça vaut, je pense que c'est un peu enfantin. Je sais pas. Alors ce qui est marrant, c'est que au niveau du descriptif derrière, c'est écrit en anglais. Mais l'avertissement, ici, est écrit en français. Donc je sais pas. Pourtant, ils disent pâle. Version française. Ah bah pourtant c'est écrit devant. C'est marrant parce que la jaquette est écrite en anglais derrière. Et là, il y a écrit version française intégrale. Le jeu et le manuel est en anglais. Version française intégrale. D'accord. Bon. Si le jeu est en anglais, je vois pas pourquoi c'est une version française intégrale. Mais bon. Je ne vais pas chercher à comprendre, à 5 euros, j'ai pris, et sur son petit stand, il y avait un petit jeu DS que j'ai pris également. J'ai une coupe de cheveux, mais c'est juste flippant. Le mec, il vient de se lever. Bonjour. C'est le code de la route. Voilà. Un petit jeu qui date de 2007. Voilà, il est complet. C'est pas forcément peut-être à jour, hein, le 2007, ça fait quand même un petit peu 14 ans qu'il est sorti ce jeu. Je pense que il y a des trucs qui sont un peu périmés dedans, et de toute façon, même si je le repassais, si j'essayais de le repasser, je l'aurais pas. On est bien d'accord, ça a tout changé, hein, le code de la route. Après, je continue sur ce petit vide-grenier, et là, je tombe sur un gars qui vendait plein de jeux PS3. Alors, on les voit, et il me faisait donc j'ai pris. J'en ai pris 5, et au départ, il me fait, c'est 3 euros l'unité. Donc moi, je sélectionne 5, ça aurait dû faire 15, j'ai négocié à 13, il m'a dit ok, donc j'ai fait ces jeux-là pour 13 euros, ces 5 jeux, et je vais vous montrer ce que c'est. Alors, pas forcément des, comme vous savez, des pépites, mais je suis content parce qu'ils sont dans un état mais vraiment royal, ils sont vraiment nickel, peut-être un petit peu poussiéreux. Ça passe. Le premier, c'est Resident Evil 5. J'avais le 6 déjà sur PS3. Donc là, maintenant, je rentre le 5. Je suis content de l'avoir parce que celui-là, je ne l'avais pas. Aucun des jeux, je vais vous montrer, je les avais. Donc, c'est pour vous dire où je suis de ma collection. Donc voilà, Resident Evil 3, hein, qu'on ne présente pas. Resident Evil 5 sur PS3. Et lui aussi, il est complet, dans un état nickel. Et bien, ça, je suis super heureux de le rentrer. Donc, Resident Evil 5. Le deuxième jeu, bah c'est pareil. Je les avais, j'ai la suite. Les suites, on va dire. Mais j'avais pas le premier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai foutu du premier. Je l'avais peut-être sur. À l'époque de ma Xbox 360, la première que j'avais achetée en 2007, c'est ça? En 2007, j'avais. Donc, c'était un pack Halo 3 et j'avais sûrement eu ce jeu-là avec. Je l'avais terminé et je pense que quand j'ai revendu l'ensemble. Et voilà, c'est Assassin's Creed, le premier du nom. Donc c'est pareil, il est en super état. Il est complet également. Et ça fait vraiment super plaisir de le rentrer parce que la version avec Altaïr, franchement, j'avais vraiment kiffé. Après, sur certains Assassin's Creed, j'avais un peu décroché parce que c'était très très long, très 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 long, et au bout d'un moment, le temps que j'avais à consacrer à ces jeux-là était plus le même que quand j'avais fait le premier Assassin's Creed. Donc voilà, celui-là, je suis content, sur PS3 et pas sur 360, mais je suis content de le rentrer. Le troisième jeu que je lui ai pris, va falloir que je nettoie un petit peu les boîtiers, parce qu'ils sont cracra, enfin cracra, extérieurement on va dire, c'est de la poussière, c'est le GTA 4. C'est ça, GTA 4. C'est pareil, il est en super état. Il est complet. Il y a la notice, il y a la carte derrière. Voilà. Bon, je sais, je parle pas très fort, hein, mais c'est parce que, je sais pas si vous l'avez entendu derrière moi, à un moment, il a commencé à chouiner. Donc, c'est pour éviter de faire trop de bruit. Donc voilà, le petit GTA 4. Je suis super heureux de le rentrer, voilà, surtout dans cet état-là, parce qu'ils sont vraiment, vraiment nickel.
quatrième jeu, c'est pareil, on reste sur du classique, mais que je n'avais pas. J'avais la suite. C'est Call of Duty World at War. World at War. Donc, pareil, hein, je vous dis, ils étaient dans un état, mais vraiment nickel. Et je suis content parce que j'avais un doute sur celui-là, mais j'ai vérifié sur ma liste avant de le prendre et je l'avais pas. Donc, c'est super cool. C'est super cool. Voilà. Et le petit dernier que j'ai pris, alors lui, par contre, je pense qu'il est un peu plus compliqué à trouver. Ou alors, c'est moi qui m'étonne. C'est celui-là. Elder Scrolls 4. Ouais, c'est ça. Oblivion. Donc, il est pareil. C'est exactement le même état que les autres jeux. Ils sont vraiment super top. Il y a la carte dedans. Alors, je ne sais pas s'il y avait une notice en plus de la carte. Ou s'il y avait juste la carte sur ce jeu-là. Dites-moi en commentaire s'il y avait normalement une notice avec. Parce que je ne le sais pas. Et les jeux... je sais pas, je peux vous montrer celui-là, par exemple. Il n'y a pas du tout de rayures. Il est vraiment... Je me demande si les jeux ont été même mis dans la console. Donc, voilà. C'est 5 petits jeux sur PS3 pour 13€. Je pense que c'est plutôt pas mal. Désolé, hein, je viens de faire une coupure parce que ma mère est rentrée. Hein, c'est pas un studio d'enregistrement non plus, hein, c'est une maison. Et ma chérie est rentrée aussi pour le biberon du petit. Donc, je reprends. Je continue sur le vide-grenier et je tombe sur un stand d'exposants où il n'y avait que deux jeux. Hein. Il n'y avait pas énormément de choses, il n'y avait que deux jeux. Je les regarde, j'hésite, j'ai l'air pour partir et je leur demande quand même le prix des deux jeux. Et ils me font, c'est 2€ les deux. 2€ les deux, bah écoutez, moi je les ai pris, c'est deux jeux sur Wii. Le premier jeu sur Wii, c'est Alvin et les Chipmunks. J'essaie de ne pas avoir trop de reflets. Alvin et Chipmunks, donc lui il est en super état. Il est en super état, il est complet. Hop, là, voilà, il y a la notice, il y a tout ça. Donc, bah, écoutez, je suis content qu'il rentre dans la collecte. Parce que des jeux, oui, bah, ça voilà, ça m'augmente un petit peu. C'est sûr, c'est pas du. C'est pas des gros gros noms, quoi. Voilà, c'est un jeu de chanson, quoi. Un jeu de chanson sur Wii. Et le deuxième jeu, c'est. Alors, c'est marrant parce que j'avais rentré sur. Ce personnage-là, je l'avais déjà rentré sur la GameCube, c'est Cocoto. Et là, c'est le Cocoto Festival. Alors là, la boîte, par contre, elle va falloir que je trouve une boîte un petit peu de remplacement. Parce que là, vous voyez, elle est un peu... La jaquette, ça va encore. Mais la boîte, elle est... je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec. S'ils ont un chat ou autre. Donc voilà, le petit Cocoto Festival, donc en français, il est complet aussi. Le CD est en super état. Donc voilà, ça c'était pour le premier vide-grenier. Donc hop, voilà. Donc là, 7€. Là, 13€, il y en a pour 20 balles. 22€ sur le premier vide-grenier. C'était tranquille. Et sur le deuxième vide-grenier, là par contre, il n'y avait pas énormément de jeux vidéo. Pourtant, il était grand, hein. Il y avait presque une centaine d'exposants. Mais, ou alors c'était parce que c'était trop tard. Je vois des piles de jeux vidéo. À chaque fois que je me pointe, c'est la collection quasi complète des FIFA ou des PES. Donc, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, c'est. Je pense que j'en ai pas mal rentré des jeux de foot déjà. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir que si jamais je fais un full set, il va falloir que je finisse par rentrer ce qui me manque. Ça me pique un peu les fesses de dire ça, qu'il y ait des jeux de foot qui me manquent. Donc, passons, j'arrive sur un stand où il y avait quelques jeux sur 3DS. Quelques jeux sur 3DS, et notamment un que j'avais envie d'avoir, parce que forcément j'adore ça, les Lego. Et donc j'ai pris le Ninjago, l'ombre de Ronin, voilà, je crois que c'est les renégats japonais. Donc, il est complet, sa notice, et c'est le jeu, il est en super état. Et celui-là, je l'ai payé 5€. 5€ celui-là, donc avec l'ensemble, là, ça faisait 22 plus 5, ça faisait 27. Et le petit dernier que j'ai trouvé, alors ça c'est excellent, en plus il n'y avait qu'un seul jeu. Bon, c'est ce jeu, la Brothers in Arms D-Day, en platinum, mais alors
il y a quelques temps, je crois que c'est il y a 2 mois, sur un des comptes rendus achat vidéo du mois, j'avais acheté un lot de jeux à un collectionneur près de chez moi qui s'appelle Romain. Et il m'avait, dedans, il y avait le Brothers in Arms D-Day en version normale, en version Black Label. Mais à l'intérieur, c'était le, j'avais montré que c'était dommage, il y avait le CD de démo. Le CD de démo, enfin l'UMD de démo pour la PSP, que j'avais pas dans ma boîte d'origine en plus. Donc lui, il retourne dans sa boîte d'origine, mais j'avais la boîte, je sais même pas si elle était complète la boîte, je sais pas s'il y avait de la notice, mais là pour le coup, dans celui-là, il y a la notice et le jeu. Donc, moi ce qui est excellent, c'est comme je l'ai en Black Label, la boîte, eh ben, je vais pouvoir mettre le jeu dedans, et bon, il me restera cette boîte-là, si ça intéresse quelqu'un, juste la boîte. Après, je ne sais pas si dans l'autre, il y avait la notice, ce qui fait que je pourrais y compléter et avec la notice et avec le jeu. Donc après, il me restera la boîte vide de ce jeu-là. Ou si un jour, je trouve une... Si j'ai un... Comment ça s'appelle? Un UMD en platinum avec une boîte défoncée, bon, moi, j'aurai une boîte d'avance. Ce qui peut toujours servir. Voilà, donc, le petit compte-rendu de ce mois. Enfin, de ce mois, n'importe quoi. De ce vide-grenier, enfin, de ces deux vide-greniers. Il est là, je suis très content. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas, on peut pas dire que c'est vraiment du rétro, hein, quoique la PS3 maintenant, on est un peu à la PS5. Si on avait dit 20 ans plus tôt que tout ce qui est PS1, ça serait du vintage ou du rétro, on aurait dû, arrête, c'est trop récent. Là, dans quelques années, ça en sera, et c'est toujours cool de se les rentrer dans la collecte, hein, moi je suis content. Et puis voilà, hein. Donc, cette vidéo est terminée, je crois. Ouais. Le sac est vide. Je me fous sur les pompes, c'est pas grave. Donc, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, ben, faites exploser les pouces bleus, partagez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, qu'est-ce que j'ai. Likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche. Ça mange pas de pain. Et puis, ben, voilà. Hein, moi, je vais. Prendre l'antenne, si j'ose dire. Et puis, eh ben, moi, je vous dis de prendre soin de vous. Hein. Puis, on se dit à bientôt dans un autre décor. Hein, sûrement, de nouveau, le décor de la chambre. Et puis, donc, prenez soin de vous. Et puis, ben, à bientôt.